Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que c'est bon? Alors, je viens de passer en caméra, je pense que tout est bon pour qu'on commence. Comme je vous disais, dès que je vais commencer, je n'aurai plus le temps d'aller accepter des personnes. Vous voyez, je suis en direct, donc je n'aurai pas le temps d'accepter des personnes, de faire entrer les gens. Donc, est-ce que le son est bon? Est-ce que la caméra, elle est bonne? On va devoir commencer. Dites-moi tout simplement pour que je sache, est-ce que le son est bon? Est-ce que la caméra, elle est bonne? C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la caméra est bonne? Tout ce qu'il y a, je pense que tout est OK. Tout est OK. Si tout est OK, vous me dites tout simplement et on va devoir commencer. OK. Tout est correct. Tout est correct. Très, très, très bien. Très bien. Donc, les amis, aujourd'hui, un sujet très important, comment devenir une meilleure personne. Alors, je vais basculer entre l'écran de l'ordinateur et directement face cam pour que cela soit beaucoup plus interactif. Donc, de temps en temps, il y aura des personnes qui vont sortir. Malheureusement, je ne pourrai plus les faire entrer parce que je serai concentré ici à dérouler le contenu de cette formation. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas de temps en temps faire entrer les personnes. Mais pour cela, je vais partager rapidement l'écran de mon ordinateur et après, on va basculer. Donc, ça va être vraiment, vraiment interactif. Donc, l'écran de mon ordinateur, je balance l'écran. OK. Est-ce que l'écran de mon ordinateur est visible? OK. Ça marche. Donc, les amis, je suis très content aujourd'hui d'être avec vous pour ce petit partage parce que je voulais tester quelque chose sur Zoom, voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir une meilleure personne. Alors, devenir une meilleure personne, c'est travailler sur soi afin d'élever sa valeur. Ça, c'est très important. Travailler sur soi afin d'élever sa valeur, bâtir une stratégie de croissance, surtout bâtir des relations solides, voir grand et cultiver l'audace. Alors, comme vous le savez avec moi, tout ce que je fais, c'est pratique. Il n'y a pas trop de théorie. Il n'y a pas trop de. Voilà, je ne vais pas vous dire que non, ici, allez-y faire des choses ou bien. Voilà, il n'y aura pas de théorie. Vraiment, quoi. Il n'y aura pas de théorie. On va aller directement droit au but. Alors, les amis, d'entrée de jeu, je vais vous dire exactement à qui s'adresse cette conférence. Alors, cette conférence s'adresse à trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes à qui cette conférence s'adresse, ce sont des personnes qui veulent devenir plus. Devenir plus, c'est quoi? C'est-à-dire que votre valeur actuelle, vous voulez l'amener à un autre niveau. Ça, cette conférence, elle est faite pour toi. Et je suis sûr qu'après avoir passé les 1 heure de temps avec moi, tout de suite, beaucoup de choses vont changer. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui veulent vraiment gagner plus. Mais surtout, la troisième catégorie de personnes, des personnes qui veulent impacter des vies. Parce que moi, une des conditions pour travailler avec moi dans mon équipe, pour être avec moi dans mes business, il faut avoir l'esprit d'impacter. Voilà pourquoi vous voyez que souvent les jeunes de mon équipe, les plus âgés de mon équipe, la plupart des personnes qui sont dans mes équipes animent des séminaires, animent des conférences, écrivent des livres, ainsi de suite, parce que ce sont des personnes qui impactent des vies. Alors, pour cela, on va aller tout droit déjà dans l'introduction. Les amis, en introduction, retenez très bien cette phrase-là. Je dis bien, retenez très, très bien cette phrase de Stanislas Leloup qui dit: les gens ne vous connaissent pas. Les gens ne vous connaissent pas. C'est vous qui décidez de la manière dont ils doivent vous connaître. Je dis bien, il faut bien comprendre cette phrase qui dit que les gens ne vous connaissent pas. C'est vous qui décidez de la manière dont ils doivent vous connaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la valeur que vous voulez vous donner, vous devez l'imposer. Aujourd'hui, on impose aux gens comment ils doivent nous connaître, comment ils doivent nous voir. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, non, il faut me respecter. Hein. Les amis, ça n'a pas. Ça dit qu'aujourd'hui, on ne demande pas le respect. Il ne faut pas demander aux gens de te respecter, en fait. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aujourd'hui demander aux gens, il faut me respecter. Hein. Tu vois quel âge j'ai.
Ces genres de choses-là, tu n'as pas besoin de dire aux personnes avant qu'ils ne te donnent de la valeur ou bien avant qu'ils te voient que tu es une bonne personne ou bien que tu es une meilleure personne. Non, on ne demande pas qu'on nous donne de la valeur ou bien qu'on nous donne du respect. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est vous qui décidez comment les gens doivent vous connaître. C'est tout. Maintenant, pour cela, il faut comprendre. Pourquoi déjà que vous devez avoir une, vous devez devenir une meilleure personne? C'est très simple. Regardez les amis. Aujourd'hui, l'argent que vous gagnez, je ne sais pas combien vous gagnez, mais ce que vous gagnez aujourd'hui est proportionnel à la valeur que vous incarnez. Tu incarnes, c'est-à-dire que si on te prend, aujourd'hui, je vais prendre juste des gens au hasard qui sont connectés, mais je vais dire des noms comme ça. Bon, tu t'appelles Philippe ou bien tu t'appelles Paul ou bien tu t'appelles Timothée, tu t'appelles Abdourahmane. Bon, tu t'appelles quelqu'un comme ça, tu es connecté ici en ligne. Ta valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit te payer, on va te payer à combien? C'est ça ta valeur. Souvent, vous voyez, il y a plusieurs marques de téléphone. Vous allez prendre le téléphone, le même téléphone, vous allez voir Samsung. Et puis, il y a Galaxy S1, il y a Galaxy S2, Galaxy S3. Les amis, vous êtes quelle galaxie? Vous êtes quelle galaxie? La question, elle est là. Vous êtes quelle galaxie? Ou bien vous êtes quelle est la version de vous, en fait? Votre valeur. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est la valeur que vous incarnez. C'est comme ça, les gens, ils vous payent. On te paye en fonction de la valeur que tu incarnes. Si tu n'as pas une valeur, si tu es iPhone 6 et puis tu veux que les gens te considèrent comme un iPhone 14, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent jamais t'acheter au prix d'un iPhone 14 parce que tu n'as pas les fonctionnalités, c'est-à-dire que les fonctionnalités que tu as, le service que tu es prêt à rendre, tu n'as pas les fonctionnalités qui méritent pour qu'on te paye au prix d'un iPhone 14, en fait. C'est ça la réalité. Donc, la meilleure chose à faire, si tu veux que les gens, ils te payent cher, si tu veux que tu veux augmenter ta valeur, si tu veux que ce que tu demandes, que les gens, ils te donnent facilement, mais deviens une personne très élevée en valeur. Et c'est, en fait, si tu te poses tous ces genres de questions-là, mais le fait que tu sois ici dans ces Zooms-là, c'est l'endroit idéal où je vais te partager en 1 heure de temps ce que tu peux faire pour rehausser ta valeur. Si tu gagnes 1 million de francs CFA aujourd'hui, mais c'est tout ce que tu vaux. Il y a 4 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière, j'avais un salaire de 1 million de francs CFA. Mais c'est ce que je valais. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que Justin, viens, je vais te donner 5 millions par mois et puis je vais aller travailler. C'est fini. Je ne peux plus aller travailler pour quelqu'un qui va me payer 5 millions par mois. Je ne peux plus jamais faire ça. Je ne peux pas faire ça. En tout cas, la valeur que j'incarne aujourd'hui, ce que je vaux aujourd'hui, tu es qui pour venir me dire que Justin, je vais aller te payer 5 millions par mois, puis je vais accepter. Je ne vais pas accepter. Il y a 5 ans en arrière, je courais pour avoir le salaire de 1 million. Mais après 1 an et demi, j'ai démissionné. Aujourd'hui, la valeur que j'incarne, la valeur que j'ai, c'est plus possible de venir me proposer un salaire. Mais c'est-à-dire, comment tu vas te positionner pour me dire que Justin, viens, je vais t'employer. C'est exactement la valeur que vous devez travailler. Et pour cela, je vais être très direct avec vous, je vais être très concret et vous partager quelques consignes que vous allez mettre en place, vous allez mettre en application. Et si vous mettez en application, je vous assure que votre valeur aujourd'hui et puis votre valeur, la valeur que vous allez avoir dans 5 ans, ces deux valeurs-là seront différentes. Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi, je suis passé par là. Du moins, ce que je gagnais il y a de cela 4 ans, et ce que je gagne aujourd'hui, c'est fois, je sais même pas fois, 100 quelques en fait. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir ce que je gagne aujourd'hui et ce que je gagnais il y a de cela quelques années auparavant. Donc, c'est cette valeur-là que vous devez incarner. Maintenant, les opportunités. Il y a des personnes également, ils sortent ou bien voilà, ils veulent certains types d'hommes. Il y a des femmes qui veulent un certain type d'homme. Oui, moi, mon genre, c'est tel, mon genre. Quel genre? Toi, tu. Attends, quand tu dis que moi, non, moi, mes genres de gars, c'est tel genre. Mais toi, est-ce que toi, tu es son genre? Est-ce que toi, tu mérites de sortir avec
quelqu'un dont toi tu es en train de rêver en fait. Tu es en train de te flatter parce que tu ne peux pas sortir avec ton genre. Tu es un homme toi-même, tu sais, il y a certaines femmes que tu ne peux pas aborder. Mais pourquoi? Parce que ta valeur est là, tu connais ta valeur. Et beaucoup se retrouvent à épouser des femmes, à sortir avec des femmes, à sortir avec des hommes qui ne sont pas ce que eux, ils veulent. Malheureusement, c'est ce que tu mérites. Toi, tu veux ça, mais tu mérites ça. Tu veux telle chose, mais tu vaux ça. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Les relations que vous avez, tu ne peux pas être un ami aujourd'hui, tu ne peux pas être l'ami d'un député, tu ne peux pas avoir des amis avocats, tu ne peux pas avoir aujourd'hui des amis ministres. Pourquoi? Tu veux avoir des amis ministres, mais pourquoi tu ne peux pas avoir ces amis-là? Mais c'est ce que tu vaux. Tes amis, c'est des enseignants, tes amis, c'est des plein de monde, parce que c'est ça, en fait, ce que tu vaux. Les amis, est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'à là, est-ce qu'on est ensemble? Et si on est ensemble, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On n'est pas là pour dormir. Est-ce qu'on est ensemble? Les amis, ce que vous gagnez aujourd'hui, c'est votre valeur qui est là. Les relations que vous avez, c'est votre valeur. C'est ce que tu vaux. Tu ne peux pas avoir des amis députés, des amis avocats, des amis ministres. Tu veux l'avoir, mais tu ne peux pas parce que ce n'est pas ta valeur. Non, il faut comprendre ça. Quand tu ne comprends pas ça, après, tu seras frustré de la vie. Tu vas dire non, que les gens ne m'aiment pas. Oui, que tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? On doit t'aimer. Tu es qui? C'est pas... Tu es qui? Et puis les gens doivent t'aimer. Tu es qui? Non. Dans la vie, il faut comprendre. Il n'y a pas de gentil. Ça, c'est ma phrase préférée. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de gentil et puis il n'y a pas de méchant. C'est qui tu es qui compte. Parce qu'en fonction de qui tu es, les gens sont gentils avec toi ou pas. En fonction de qui tu es, tu as ce que tu mérites. Les opportunités qui viennent à toi sont proportionnelles à qui tu es. Aujourd'hui, hier, j'ai été invité par mon école. Moi, j'ai étudié ici à l'Institut Polytechnique Panafricain de Dakar. C'est là-bas que j'ai eu mon diplôme d'architecte. Mais j'ai été invité hier par l'administration de cette école-là pour me nommer comme l'ambassadeur de l'Institut Polytechnique Panafricain. Hier, on a signé la convention. Vous allez voir, je vais publier les photos et les vidéos dans les jours qui vont suivre. Je suis l'ambassadeur aujourd'hui de mon école. Alors, la question que j'ai à vous poser, vous pensez que les opportunités qui viennent à vous, quelqu'un ne peut pas s'asseoir chez lui et penser à toi, t'appeler pour te donner une opportunité. Est-ce que c'est tout le monde qu'on appelle? Mais c'est qui tu es, on appelle pour te donner une opportunité. Donc, les opportunités même qui viennent à toi sont proportionnelles à ta valeur. Les opportunités qui viennent vers toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent t'appeler pour te proposer certains deals. Aujourd'hui, j'ai été encore pour signer un autre deal où les gars, ils m'ont appelé parce qu'ils ont besoin, il y a un vrai projet d'un investissement d'à peu près de 100 millions. Et puis, on m'appelle pour me dire que Justin, on veut que tu sois notre associé. On veut te donner 10%. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'ils savent que moi, investir 10 millions, je peux le faire. Tu me réveilles comme ça, tu dis que Justin, on a besoin de 10 millions, je peux le faire. En fonction de ce que je vaux, les gens me contactent pour me proposer des deals. Mais toi, est-ce que tu as des opportunités comme ça? Les amis, la vie, elle est simple. Hein? La valeur que tu as, c'est en fonction de cette valeur-là, que tu attires la femme, l'homme de ta vie, c'est en fonction de qui tu es que tu attires les opportunités de ta vie. Donc, aujourd'hui, la seule chose que vous devez faire, c'est comment je fais pour augmenter ma valeur? Comment je dois devenir une meilleure personne pour que les opportunités viennent à moi, pour que les choses, les bonnes choses viennent à moi? On ne peut pas rester comme ça et puis les bonnes choses viennent à vous. Voilà pourquoi, les amis, en deux étapes très simples. Donc ça, c'était une introduction. Donc, on vient de finir avec l'introduction. Maintenant, j'entre dans le développement, dans la partie concrète et pratique. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc,
Est-ce que l'introduction, c'est bon? Est-ce que c'est bon l'introduction? On est ensemble. Est-ce que l'introduction est bonne? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que l'introduction est bonne? Maintenant, on déroule. Si l'introduction est bonne, vous dites oui, c'est bon, maintenant on déroule. Je vous donne des choses concrètes à faire. Si vous le faites maintenant, je suis sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez venir dire que non, Justin m'a dit de faire ça, 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 ça. J'ai fait ça et les choses ont radicalement changé. L'introduction, c'est clair. Vous devez savoir que la valeur que vous avez aujourd'hui là, si vous restez comme ça, les choses vont rester comme ça. Si tu fais rien, rien va se produire. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a deux choses à faire. Il y a la première chose, c'est un élément de surface. Je vais appeler ici l'élément de forme. C'est-à-dire que l'élément de forme, on va appeler ça l'élément de forme. L'élément de forme, c'est trois éléments. Dans l'élément de forme, parce qu'il y a des éléments de forme, aujourd'hui, si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez devenir une meilleure personne, les amis, il y a deux éléments. Mais dans le premier élément, on a trois éléments. Donc, dans le premier élément qui comporte trois éléments, c'est les éléments de forme. Dans les éléments de forme, on a ce qu'on appelle le titre. Les amis, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire là. Les éléments de forme. Aujourd'hui, comme je vous disais, les gens, ils ne vous connaissent pas à l'avance. Aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas savoir comme ça qui vous êtes, votre valeur. Les gens ne peuvent pas deviner qui vous êtes. Ils ne peuvent pas imaginer, ils ne peuvent pas deviner qui vous êtes. Ce que les gens, ils savent de vous, c'est le titre que vous avez. Alors, c'est très important à ce niveau de souligner automatiquement, le titre, ce n'est pas un diplôme. Le titre n'a rien à voir avec le diplôme. Le titre n'a rien à voir avec le diplôme. Ça veut dire qu'il faut absolument, dans un premier temps, avoir un titre. Moi, je dis très souvent aux personnes, il faut choisir un de ces trois titres que j'ai mis là. Peu importe votre diplôme, peu importe ce que vous savez faire aujourd'hui, prenez un de ces trois titres que j'ai donné là et associez à ce que vous faites aujourd'hui. Devenez un expert dans quelque chose. Les amis, je ne peux pas concevoir que tu veux qu'on te respecte et tu n'es pas un expert. Regardez, les amis, on ne respecte que des personnes qui sont experts dans quelque chose. Devenez un expert. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas l'expert, même si vous n'avez pas les compétences, mais donnez-vous ce titre d'expert parce qu'on ne respecte que quelqu'un qui est un expert dans quelque chose. Un, donc, ayez un titre d'expert, d'un spécialiste. Devenez spécialiste de quelque chose. Très important. Devenez consultant. Vous voyez, c'est très, 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 très important d'avoir un titre. Il y a plusieurs titres. En fonction de votre profil, je travaille avec vous pour que vous trouviez un titre. Parce que sans titre, malheureusement, je ne parle pas de diplôme. Hein. Si vous êtes même couturier, vous devez être un couturier, un expert de la broderie, ou bien vous devez être un spécialiste, mais soyez un expert ou un spécialiste. C'est très important ce que je vous dis. Ce que je vous dis, ça commence, ce n'est pas de l'information blanche. Les informations blanches, ça se limite à Facebook. Bon, même, ce n'est pas blanc quand même, mais on partage certaines informations. Mais quand on arrive ici, je commence à vous donner certaines choses qui deviennent un peu grises. Ce n'est pas des choses il y a certaines choses qu'on ne se permet pas de partager comme ça. Mais arrivé à ce niveau, je commence à vous donner certaines informations pour que vous compreniez. Devenez un expert ou bien trouvez un titre. Très important. On va aller vite parce que c'est un des éléments. Donc, aujourd'hui, dites-moi en commentaire déjà, vous qui êtes là, vous êtes un expert en quoi? Dites-moi rapidement, je veux juste savoir, vous êtes un expert en quoi? Vous qui êtes connecté ici. Ok, je vois des experts en marketing digital. Très bien. Vous êtes expert en quoi? Expert en calcul de structure. Voilà. Vous voyez, non, expert en finance. Vous devez avoir un domaine d'expertise. Et même si vous n'êtes pas encore expert, donnez-vous déjà le titre d'expert à partir d'aujourd'hui. Ou bien, donnez-vous le titre de spécialiste. Devenez consultant dans quelque chose. Les diplômes, c'est autre chose.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme avant de vous donner un titre. Un spécialiste en communication digitale. Très bien. Consultant agronome. Voilà. C'est ça. Je vous ai dit, les amis, quand vous allez passer les 1 heure de temps avec moi, les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Les choses vont changer. Vous allez commencer à voir les choses différemment. Votre valeur même va expert en bâtiment. Ou bien, voilà. Trouver un expert en miniature YouTube. Concept expert. Voilà. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, on ne vous rencontre pas. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, je couds les habits. Non, tu n'as rien compris. Tu couds les habits comment? Tu n'es pas, ton travail, ce n'est pas de coudre des habits. Tu es un expert en couture. Tu es un spécialiste de... Non, tu dois... Les amis, je pense que vous commencez à comprendre la chose, en fait. On a dit que les gens, ils ne vous connaissent pas. C'est en fonction de comment tu te présentes, là. C'est comme ça, les gens, ils te qualifient. C'est en fonction de comment toi-même, tu dis les choses, là. C'est comme ça, les gens, ils te donnent une valeur. Hein. Ça, moi, je vous dis. Maintenant, vous prenez comme vous voulez. Maintenant, ça là, c'est à vous de voir. Mais si vous ne faites pas comme ça, ah, moi, au début, j'étais architecte, mais je suis arrivé sur YouTube comme un spécialiste de la motivation. Moi, j'étais arrivé sur YouTube comme un spécialiste de la motivation. Parce que je faisais des cours. Parce qu'il fallait que je me trouve un titre, donc mon titre, c'était j'étais un spécialiste de la motivation. Quelqu'un qui est découragé, tu me l'amènes. En 2 heures de temps, si on finit de causer, là, la personne commence à vivre. Quand tu viens, tu discutes avec Justin, les gens qui arrivent dans mon bureau, on discute pendant 1 heure de temps, c'est comme leur vie vient de commencer. Parce que moi, je suis un spécialiste de la motivation. Voilà. Donc, et pourtant, je ne mets pas mon titre d'architecte devant. Mais il faut avoir un domaine d'expertise, quelque part où tu es fort. C'est très important. Ça, c'est le premier. C'est un élément de forme. C'est un élément de forme. Mais, je vous ai dit, dans les éléments de forme, il y en a 3. Le deuxième élément de forme, c'est le contexte. Si vous voulez, les amis, ici encore, tenez-vous bien. Là, tenez-vous bien parce que je vais vous choquer. Je vais choquer les gens ici. Quand je parle du contexte, ça veut dire quoi? Si tu es un jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu ne dois plus sortir et dormir à la maison. Tu ne dois plus chercher à te présenter aux filles du quartier. Tu ne dois pas chercher à te présenter aux hommes du quartier. Tu ne dois pas chercher à convaincre des gens que toi, tu es... Non, ce que tu fais, mets-toi dans un contexte. Je dis bien, mets-toi dans un contexte qui les pousse à te demander ce que tu fais dans la vie. Je dis bien, retenez bien le contexte. Le contexte, c'est le fait que si tu es un jeune, tu sors le matin, ne sors pas et dors à la maison, non. Même si tu n'as rien à faire, sors, va quelque part, habille-toi bien, va quelque part. Va et fréquente un endroit où, là où on va te trouver là-bas, là, on te donne la valeur. Seulement en fonction de l'endroit où on te trouve, on te donne de la valeur. Mais si tu sors, tu restes au quartier avec culotte, avec Bardère, tu as vu, non? C'est dans cet endroit-là qu'on te voit. Donc, votre valeur est définie par les endroits où on vous rencontre souvent. Ta valeur est définie par l'endroit où on te rencontre souvent. Maintenant, vous voulez qu'on vous rencontre souvent où? Est-ce que vous voulez qu'on vous voit souvent sur le chantier? Ou bien dans un studio de musique? Ou bien dans un bureau? Mais tu es un entrepreneur. Là où on doit te rencontrer souvent, ça doit être dans des séminaires que tu es parti pour suivre. Les amis, je pense que il faut que vous compreniez ces genres de choses-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui ne comprennent pas ça. Même si tu n'as rien à faire, même si tu es au chômage, tu ne peux, moi aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un jeune dise que je suis au chômage et je reste à la maison. Non, tu es au chômage, mais ta place n'est pas à la maison. Tu es au chômage, mais ta place, ce n'est pas au quartier. Tu es au chômage, ta place est au plateau. Va là-bas, tu as une chemise, c'est bien. Prends une chemise, pantalon noir, cravate rouge ou cravate bleue. Porte ça chaque jour. Sois en ville, va en ville. Tu n'as rien à faire. Promène-toi de ministère en ministère avec un sac à main. On doit
toujours te voir souvent à un endroit qui te donne de la valeur. On ne doit pas tout le temps te rencontrer en train de boire du thé au quartier, en train de... Non! Il faut que même si on doit te voir, il faut qu'on te voie souvent avec un livre de développement personnel en main. Ou bien tu es dans un domaine de bâtiment, on doit tout le temps te voir avec un livre de bâtiment en main. On doit te voir dans un contexte qui te donne de la valeur. Mais tu ne dois pas te retrouver dans un endroit qui te dévalorise. Moi, ce n'est pas que j'ai refusé d'être ami avec mes anciens amis. Non. Mais aujourd'hui, la valeur que je veux me donner, si je continue à rester dans ces cercles-là, c'est comme ça ma valeur me sera attribuée en fonction de là où je me trouve. Les amis, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici ce que vous devez savoir. Vous devez fréquenter des endroits. Aujourd'hui, c'est très simple. Tous les samedis, vous devez être à un séminaire, à une conférence. Vous devez être quelque part. Quelque part, parce que l'endroit où on vous voit souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il est... Mais c'est comme... Je ne sais pas comment convaincre les jeunes pour qu'ils comprennent ceci. L'homme, dans ta tête, il te juge en fonction de là où il te trouve souvent. S'il te voit souvent à l'église, il va te dire que ah, lui, là, il veut devenir pasteur. Ou bien, tu es choriste. En fonction de là où on te voit souvent, les gens, ils t'attribuent déjà une valeur. Ta valeur est définie. Donc, s'il y a certaines choses qu'on veut te partager, les gens évitent de te partager parce qu'ils pensent que toi, tu ne mérites pas ça. Les gens, ils ont une opportunité à te partager, mais comme souvent, on te voit être assis au quartier en train de débattre de Cristiano Ronaldo, en train de débattre de Lamine Yamal, en train de débattre de qui est, voilà, la dernière copine de tel. Non. Comme on voit que c'est souvent c'est là-bas que tu es. Les amis, non. Si vous n'avez pas compris ça, au quartier, moi là où je vis, c'est très difficile de me connaître parce que quand je sors, toujours cravate. Jusqu'à même les gens du quartier, les voisins du quartier, ils demandent le jeune là, il fait quoi dans la vie? Jusqu'à il y a un qui est venu un jour quand je montais dans la voiture, il me dit, ah, salut, salut, ça va? Grand, comment tu vas? Pourtant, il, c'est mon aîné. C'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Mais c'est quand il se rapproche de moi pour me saluer, le chauffeur était en train de m'en... Donc, j'ai dit au chauffeur, OK, il n'a qu'à attendre. Et puis, je sors, avant de monter dans la voiture, je discute. Quand il me regarde, il se rend compte maintenant que je suis un jeune. Je suis, en fait, la valeur, comme il a souvent l'habitude de me voir, toujours veste, cravate complète, trois pièces. Ou bien croisé. Je sors toujours trois pièces. Toujours trois pièces. Toujours trois pièces. Croisé. Costume. Tu vois même là, tu sens la valeur de ça. Donc eux-mêmes là, ils me donnent souvent parce que le contexte, les amis, le contexte dans lequel on doit vous connaître, il faut choisir. Le contexte dans lequel on doit vous connaître, vous devez choisir. Maintenant, si vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas vous sauver. Si vous n'avez pas compris tout ce que je vous ai dit, vous allez vadrouiller, vous allez tourner en rond, ça ne pourra pas marcher. On va avancer. Donc, les amis, est-ce que c'est bon? Donc, à partir de ce niveau, on va faire un exercice. Les amis, dans quel endroit vous voulez qu'on vous rencontre souvent? Vous, dans quel endroit vous voulez qu'on vous rencontre souvent? À des séminaires, à des conférences, dans des hôtels 5 étoiles? Les hôtels 5 étoiles, c'est gratuit. Les séminaires, même peut-être, c'est payant. Les amis, vous partez, vous asseyez au Radisson, vous restez là-bas, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez rester, venir avec un livre. Restez là-bas. C'est gratuit. C'est gratuit. Allez-y à Théroubie. Vous pouvez rester là-bas toute la journée, c'est gratuit. À la pause, vous sortez. Vous partez dans un gargote. Vous mangez. Pour 1000 francs, pour 2000, et puis vous revenez, vous restez là-bas, avec un livre et un ordinateur. Vous dites que vous attendez quelqu'un. Restez à l'accueil. Restez à l'accueil de Radisson là-bas, là. C'est là-bas, vous lisez vos livres là-bas. C'est gratuit. Personne ne viendra te chasser là-bas. Personne. Il faut qu'on te voie souvent là-bas, avec ton ordinateur, avec tes campagnes publicitaires qui tournent.
avec tes clients que tu les relances. Voilà. C'est comme ça. C'est parce que comprenez que c'est là où on te voit souvent là. C'est comme ça on te donne la valeur. Troisième élément, pour boucler la partie qu'on appelle les éléments de forme. Ce n'est pas encore les éléments de fond, mais ça, c'est les éléments de forme. C'est-à-dire que je vous dis tout ça là pour que vous commencez vous-même déjà à travailler sur cet élément-là. Donc, le dernier élément de forme, l'élément de l'apparence, votre apparence. Les amis, vous devez soigner votre apparence. Là, vraiment, il faut que j'arrête partage d'écran ici pour que j'apparaisse ici. Parce que je vois des gens qui se disent entrepreneurs, mais malheureusement, ils ne sont pas des entrepreneurs. Vous dites que vous êtes un entrepreneur, mais je vois que beaucoup ne sont pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça doit d'abord être ton apparence. Les amis, vous devez soigner votre apparence. Parce que les gens, ils ne vous connaissent pas à l'avance. Ici, ils ne devinent même pas qui vous êtes. Donc, l'apparence, vous devez. Mais jusqu'à, il y a une science. Il y a une science. Pour ceux qui ont le temps, allez-y faire des recherches. Parce que je n'ai pas le temps de m'étaler ici. Tapez synergologie. Quelqu'un peut m'écrire synergologie en commentaire comme ça pour que je vois si c'est bien écrit. Comme ça, je confirme. Et puis, vous partez, vous faites des recherches sur la synergologie. Pour que lorsque on vous voit, parce que ce n'est pas quelque chose, c'est une science, synergologie. S-Y, oui, synergologie. S-Y, voilà, la synergologie, exactement. C'est la science de l'apparence. C'est une science, l'apparence. Qui a déjà entendu ces mots avant? Synergologie, c'est G. C'est la science de l'apparence. C'est la science de l'apparence. L'être humain avec apparence. Non, il ne faut pas blaguer. C'est la science de l'apparence. Comment soigner ton apparence? Si vous ne comprenez pas ça, moi qui vous parle, j'avais payé quelqu'un. Entre 2021 et 2022, pendant 6 mois, je payais la personne 60 000 par mois pour qu'il vienne travailler sur moi, sur mon apparence. Les amis, ce n'est pas du jeu, hein. Ce n'est pas du jeu. Ton apparence, les gens, l'homme, il voit juste ton apparence comme ça. Il ne te connaît pas bien. Je sais, pour ça, j'ai dit que c'est les éléments de forme. C'est les éléments de forme. Ce n'est pas exactement toi qui es comme ça. Tu es très intelligent, mais en fonction de... Il y a des apparences qui te rendent intelligent, même si tu ne vaux rien. Il y a des apparences qui font... Elle dit que l'apparence est trompeuse. L'apparence. Mais c'est une science. Donc, comme les gens, c'est pour cela que vous devez l'utiliser maintenant à votre avantage. Vous avez un rendez-vous avec un prospect qui veut te confier un marché. Mais toi, tu te lèves avec t-shirt, jean déchiré, et puis tu vas le voir. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous voyez, à chaque fois qu'on m'invite dans des grands événements, je prends quelqu'un qui tient mon sac. Et puis j'appelle, voilà, ce n'est pas moi qui conduis, je reste derrière. Derrière que moi-même, je n'aime pas trop conduire, j'ai un chauffeur. Donc, ce que je fais, souvent, moi, je reste derrière. Il y a un chauffeur qui est devant avec quelqu'un qui tient mon sac. Mon sac là est quelque part ici. Avec quelqu'un qui tient mon sac. Voilà. Quelqu'un qui tient mon sac derrière. Parce que les gens, que tu sois fort ou pas, en apparence, les gens, ils te jugent. Bref, les amis, qui peut me rappeler rapidement les trois éléments de forme qui vous permettent d'augmenter votre valeur? Quels sont les trois éléments de forme qu'on a vu tout à l'heure? Ces trois éléments de forme, rapidement. Donc, rappelez-moi dans les commentaires rapidement les trois éléments de forme
Je vous ai dit, votre valeur, c'est d'abord dans la forme. Rappelez-moi rapidement en commentaire pour qu'on puisse passer maintenant aux éléments de fond. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant au fond pour que réellement votre valeur soit élevée, pour devenir une meilleure personne? On avait dit que vous ne devez plus vous présenter comme un tâcheron. Non, moi, je crée les profils Facebook pour les gens. Non, tu ne crées pas de profil. Tu ne crées pas les logos. Tu es un expert en design graphique. Toi, tu es un spécialiste en design graphique. Toi, tu dis que toi, tu... Non, j'utilise Canva. Tu utilises Canva. Mais tu es un expert en design graphique. Je suis monteur vidéo. Non, tu n'es pas un monteur vidéo. Tu es un expert en motion design. Les amis, je pense qu'on se comprend maintenant. Et maintenant, de la manière dont tu t'habilles, là où on doit te voir. Si vous ne faites pas ça, le truc ici, je pense que vous l'avez compris, c'est de changer votre version de vous actuelle. La version, l'apparence. C'est comme aujourd'hui, vous avez une Ford Edge et puis c'était couleur blanche. Vous partez, vous refaites la peinture. Vous devenez. C'est-à-dire que le moteur n'a pas encore changé. Tout à l'heure, c'est ça maintenant, on va voir comment maintenant travailler le moteur. Mais là maintenant, changez seulement la carrosserie. Vous changez déjà la carrosserie. La peinture déjà, vous passez du blanc au noir. Ou bien vous passez du noir au rouge. C'est ça en fait, avec les trois éléments dont je viens de vous partager. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que, les amis, ACT, apparence, contexte et titre, est-ce que c'est bon? Est-ce que la carrosserie est déjà changée? Est-ce qu'on a déjà changé la carrosserie? C'est-à-dire que votre apparence, on ne doit plus voir une vieille voiture ici. On ne doit pas vous... C'est-à-dire que vous venez pour acheter une voiture, vous voyez, vous n'entrez même pas encore dans la voiture, mais avec la carrosserie, déjà, il y a une voiture qui vous attire. C'est ça, les éléments de forme. Vous également, c'est la même chose. Les gens, ils ne vous connaissent pas encore. Donc, comment vous devez vous mettre dans un contexte où votre valeur va vous défoncer? On n'est pas entré pour vous connaître encore. C'est dehors, mais dehors déjà, vous pesez. Il a dit que vous influencez déjà le choix des gens. Si vous étiez 5, vous arrivez quelque part, on fait des entretiens pour donner à qui on va donner le marché. Quand on reçoit le premier, on reçoit le deuxième. Et quand Juté arrive avec une délégation. Quand moi j'arrive, souvent c'est ça. Souvent on dit, bon, le gars il nous voit, il nous contacte sur Facebook, sur les réseaux sociaux comme ça, et puis il nous donne rendez-vous. C'est fini. Moi, je suis tellement convaincu. Je sais pas, mais quand tu me contactes pour me donner un marché, parce que je vous dis tout souvent, hein, nous, nos business, moi, tout le business, les business que je réussis dedans, c'est Internet. Dans tout ce que je fais, c'est grâce à Internet. Tu me contactes pour me donner un marché. Ou bien tu me dis que, OK, j'ai vu vos campagnes publicitaires, j'ai visité votre site. Et puis voilà, moi, je suis sûr que quand un client veut me rencontrer, soit il a rencontré des personnes avant moi, ou bien après moi, il va aussi rencontrer des personnes parce que sur Internet, la décision d'achat, le prospect commence lui-même son processus. Il va chercher les choses sur Internet, chercher les numéros de téléphone pour comparer les choses d'abord. Et c'est après avoir eu plusieurs options qu'il va retenir 3 ou 4 ou 5 options et il va appeler les options 1 à 1 pour les rencontrer afin de conclure et finaliser sa décision. Donc moi, je sais ça. En termes d'un expert sur Internet, je comprends que c'est comme ça que ça passe. Donc, quand un client, un prospect, il me contacte, moi, c'est fini pour lui. Il a signé son arrêt de mort. Parce que moi, quand je viens à un rendez-vous, je viens toujours en cortège. Je ne veux pas venir à seul. Je viens en cortège. Je dis, hey, j'appelle, je dis, bah, prends la voiture. Bah, dis, prends la voiture. Bon, on va prendre une troisième voiture. Et puis, on se suit. Quand on arrive même, souvent, quand le gars, il me voit, il pense que c'est plutôt
Lui qui a plus intérêt à travailler avec moi que moi j'ai à travailler avec lui. C'est les éléments d'apparence. Cela ne veut pas dire forcément que je suis le meilleur entreprise de construction, non. Mais comme moi je comprends la chose et moi-même je l'enseigne à mes étudiants, donc je ne peux pas faire des erreurs. Je ne peux pas faire certaines erreurs. Certaines erreurs, je ne fais pas. Donc, quand tu as un rendez-vous avec Justin, quand tu dois venir voir Justin, ou bien quand tu invites, ou bien, bref, vous avez compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui sont ici, là, si vous négligez ces côtés-là, l'acronyme ACT, apparence, contexte et le titre, si vous négligez ça, je vous assure, vous réduisez de 80% vos chances de prospérer et d'avancer. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez peut-être mal le prendre, mais c'est la réalité du business. C'est la réalité du monde actuellement où nous sommes dedans. Votre valeur, les gens estiment. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Là, il y a la valeur réelle et puis il y a la valeur perçue. Donc, votre valeur perçue est plus importante que votre valeur réelle. Parce qu'il y a des personnes, ils ont une valeur réelle très faible, mais ils ont beaucoup travaillé sur la valeur perçue. Donc, la perception de leur valeur qui est élevée, les gens viennent pour ça, et quand ils gagnent le marché, ou bien quand ils gagnent le travail à faire, maintenant, ils vont construire une équipe qui va travailler derrière. Si vous n'avez pas compris ça, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Les amis, est-ce que c'est bon? Qui, dans ce live, s'engage à augmenter sa valeur perçue? Qui s'engage? Parce que je vais vous donner mon numéro après. Pour ceux qui s'engagent à augmenter leur valeur perçue, je peux les accompagner pour que la valeur qu'ils ont aujourd'hui, la valeur perçue, je parle de la valeur perçue. La valeur réelle, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais déjà au niveau de la valeur perçue, faut que on vous perçoive désormais différemment. Votre valeur ne doit plus être la même il y a 5 ans et on vous considère toujours comme la même personne. Toutes les personnes qui vous ont négligé il y a 2 ans, ou bien toutes les personnes qui vous négligent aujourd'hui, travaillez sur vous de façon à ce que d'ici un an, quand on vous retrouve, on revoit la même personne, on dit que ouais, mais lui-là, apparemment, son affaire, ça marchait, c'est comme ça. Faites en sorte que quelqu'un qui vous néglige aujourd'hui, quelqu'un qui pensait que vous êtes n'importe qui maintenant là, cette personne-là, que d'ici un mois, d'ici 6 mois, d'ici, donnez-vous un horizon pour arriver à cet instant-là, que même si rien n'a changé dans votre vie, mais la perception qu'il a de vous change. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va entrer sur la valeur réelle. La valeur réelle. Comment augmenter maintenant sa valeur réelle? Ça, c'est la valeur perçue. Maintenant, la valeur réelle. On est en train de parler de devenir une meilleure personne. Je vous rappelle juste le sujet du jour. Donc, maintenant, la valeur réelle. La valeur réelle, c'est comment maintenant tu vas bâtir ta personne. Comment tu vas bâtir la personne que tu es. Pour cela, les amis, vu que le temps est en train de nous filer entre les mains, on a presque 1 heure de temps. Waouh, le temps est en train d'aller vite. On n'a même pas fait la moitié et le temps est en train de filer. Mais, les amis, restez connectés parce que j'ai une grosse surprise pour vous juste après. J'ai une grosse surprise pour vous. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont rester après, j'ai une très, très grosse surprise pour vous. Donc, restez très, très attentifs. Le temps est en train de partir vite. Moi aussi, je vais peut-être aller un peu plus vite pour qu'on soit dans le temps. Parce que on doit être dans le temps. Voilà. Donc, pour cela, vous devez savoir que, un, je dis bien, pour travailler sa valeur réelle, je dis bien, pour travailler sa valeur réelle, vous devez créer ce qu'on appelle du contenu. Votre valeur réelle, c'est-à-dire que ce qui va maintenant prouver que vous êtes réellement un expert, qui prouve que vous êtes réellement un spécialiste, qui va prouver réellement que vous êtes quelqu'un qui a l'argent, qui s'habille bien. Vous êtes quelqu'un qui a l'argent. Voilà. Ce qui va réellement prouver que vous êtes bon dans votre domaine,
c'est créer du contenu. Créer du contenu, je vais vous citer les types de contenu que vous pouvez créer. Premier type de contenu que vous pouvez créer, et tout le monde peut le créer, c'est écrire un livre. Écrire un livre. Écrivez un livre. Créer du contenu. Et écrivez un livre. Ça paraît simple. Je vais vous montrer mon livre. Parce que moi, je vous parle, mais je pense que vous connaissez déjà mon livre parce que j'ai déjà 5 livres actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai 5 livres. Mes 2 derniers livres, c'est les 10 commandements de l'argent et avant d'avoir l'argent. Mais avant ça, j'ai écrit également parce que pour que je sois perçu comme un expert en architecture, j'avais écrit un livre sur AutoCAD. C'était un e-book. Je pense qu'il y a des personnes qui sont connectées ici, qui me connaissent, et tout ce que je dis, c'est, vous avez même mon livre. Il y a mon livre avant d'avoir l'argent. Vous l'avez. J'ai écrit, ceux qui sont du domaine de l'architecture également, ils savent que j'ai écrit un livre sur AutoCAD et j'ai écrit également un livre sur Revit. C'est un e-book. Donc, les amis, vous devez écrire un livre. Écrire un livre, ça ne coûte pas d'argent. L'objectif, ce n'est pas que d'écrire un livre qui va être comme Père riche, Père pauvre ou bien Le soleil des indépendances. Non, ce n'est pas ça. Écrivez un livre, même si c'est toi, ton chien et ta maman, vous êtes trois. Vous êtes les trois seuls qui avez lu ce livre-là, c'est bon. L'objectif est que quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis que tu es un auteur. Les amis, je suis en train de vous dire la vérité maintenant. L'objectif maintenant, c'est que quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis que je suis Justin Mortonnet, je suis auteur. Même si c'est trois personnes qui ont lu mon livre, au moins, je suis né Justin, mais je meurs écrivain. Voici là la différence. Je suis né Justin, mais je meurs écrivain. Au moins, j'ai écrit un livre. Je ne suis pas là en train de mentir. C'est vrai, j'ai écrit un livre. J'ai écrit des livres. Donc, ça, c'est la valeur maintenant réelle. Écrivez un livre. L'objectif, ce n'est pas d'écrire un livre qui va être lu par des milliers de personnes. Moi, mon livre, avant d'avoir l'argent, j'ai vendu à 10 000 exemplaires. Ce n'est pas comme les Robert Kiyosaki qui ont vendu à 50 millions de personnes. Mais au moins, je suis un auteur. Tu ne peux pas m'enlever ça. Je suis auteur. Dans ma biographie, à ma mort, parmi les choses qu'on va dire de moi là, écrivain là, ça va figurer dedans. Donc, j'ai créé du contenu. C'est ça. Et écrire un livre, souvent les gens ils pensent que pour écrire un livre, il faut être, je ne sais pas, ils se donnent des choses, ils disent non, bon, je ne peux pas, non, les amis, arrêtez tout ça là. Vous pouvez écrire un livre. Je vous donne 3 thématiques sur lesquelles vous pouvez écrire un livre. Premier, écrivez un livre sur votre expérience. C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience, c'est-à-dire que toutes les. Qui a vécu une enfance difficile ici? Qui a vécu une enfance difficile? Écrivez en commentaire lesquels qui ont vécu une enfance difficile. Les amis, si tu as vécu une enfance difficile là, il y a un livre déjà pour ça. Donc, le seul fait d'avoir vécu des moments difficiles dans la vie là, tu as déjà un livre. Le seul fait d'avoir vécu des choses difficiles dans ta vie là, c'est déjà un livre. Si tu as vécu une trahison, tu es un entrepreneur, tu as lancé un business et puis ça a échoué, c'est un livre. Si tu as une fille et puis ton gars t'a trompé, ou bien ton gars t'a largué, ou bien tu as dragué une fille, elle a refusé, c'est déjà un livre. Qui ici, qui est connecté ici, qui a dragué une fille et puis la fille a refusé? Les amis, soyez honnêtes. Qui est connecté ici, qui a dragué une fille et puis la fille a refusé? C'est déjà un livre comme ça. Il y a une fille, le livre existe toujours sur Internet. Le titre de son livre là, c'est Comment j'ai trompé mon mari. Le titre de son livre, c'est Comment j'ai trompé mon mari.
C'est ça le titre de son livre. Quand elle a publié le livre là, façon les gens ont acheté, les gens ont acheté jusqu'à c'est entré en rupture. Le titre de son livre, c'est Comment j'ai trompé mon mari. Et puis vous êtes là, vous dites que vous n'avez pas idée de vidéo, quoi. Vous dites, les gens disent, je n'ai pas des idées de livres. Les gens aiment les histoires rocambolesques, exactement. Les gens aiment des histoires. Tu écris un livre, comment j'ai eu telle chose. Mais vous, quand vous dites que vous n'avez pas des idées pour écrire un livre, moi, vraiment, je ne comprends pas. Donc, vous pouvez écrire un livre sur votre expérience de la vie. Deuxième, vous pouvez écrire un livre sur une expertise. Donc, expérience, expertise. Vous pouvez écrire un livre sur, par exemple, moi, je peux écrire un livre comment aujourd'hui, par mois, je gagne plus de 50 millions dans mes business. Sur Internet, par mois, quand je comptabilise tout ce que je gagne, souvent, il y a des mois, je suis allé jusqu'à 50 millions de francs CFA en un mois. Mais comment j'ai fait ça? Je peux écrire un livre pour expliquer ça. J'ai lancé un nouveau business il n'y a même pas une année. Le business, ça me rapporte déjà presque 6 millions par mois. Je peux écrire un livre. Comment j'ai testé tel business pendant un an. Et puis j'ai commencé avec ce business. Pendant un an, je gagne maintenant plus de 5 millions par mois avec le business là. Je peux expliquer comment j'ai gagné telle chose. Comment j'ai eu mon premier emploi. Votre expertise, comment vous avez réussi à faire une chose. Donc, le seul fait que vous êtes un expert dans quelque chose, c'est-à-dire que, effectivement, vous devez prouver que vous êtes un expert. Vous devez prouver réellement que vous êtes un expert. Voilà, il y a des gens qui ont dit, oh, que j'ai eu mon bac en 4 ans. D'accord. Il dit qu'il y a tellement de choses. Vous avez dans votre vie des situations assez particulières. Je vous jure, vous tous, nous tous qui sommes là, si on doit demander à chacun de nous donner un peu, de nous expliquer sa vie là, chacun a une histoire de sa vie à raconter. Sauf que les gens ne veulent pas raconter ça. Mais pourtant, en voulant raconter ça, vous gagnez de l'argent avec. C'est ce que beaucoup ne savent pas en fait. Si tu gagnes déjà de l'argent, moi, je vous dis, si j'ai réussi à gagner déjà 1 million ici, mais en expliquant à d'autres personnes comment j'ai fait pour gagner ça, mais je gagne de l'argent. Si je gagne déjà 1 million par mois et que je trouve le moyen d'expliquer aux autres comment j'ai fait pour gagner ça, l'argent que je vais gagner en expliquant aux autres comment j'ai gagné ça, je vais gagner plus même que ce que j'avais gagné. Comprenez les choses, les amis. Comprenez les choses. Soit tu gagnes de l'argent ou tu as gagné de l'expérience. Tu ne peux pas avoir 20 ans et tu dis que tu n'as pas d'expérience. Tu ne peux pas avoir. Aujourd'hui, il y a des livres dans tous les domaines. Vous pouvez même faire des dessins animés, les bandes dessinées. Il y a tellement de choses. Donc, c'est les livres. Vraiment. Je me suis promis que j'allais être bref, mais à chaque fois que j'aborde un sujet, je le donne vraiment à tout cœur. Donc, je suis en train de. Il faut que je me ressaisisse un peu pour qu'on soit dans le temps. Donc, écrivez un livre. Deux, créez des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, écrivez un livre. Deux, créez des vidéos sur les réseaux sociaux. Créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Je répète, créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que vous avez compris. Quand je parle de créer des vidéos sur les réseaux sociaux, moi qui vous parle, je suis un expert dans ce domaine. J'ai créé également beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est aussi du contenu. C'est du contenu. En créant, vous, aujourd'hui sur Internet, il y a des personnes uniquement avec du contenu qu'ils créent sur les réseaux sociaux. Vous avez l'impression qu'ils sont intelligents. Vous avez l'impression qu'ils sont sages. Vous avez l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est faux parce qu'ils ont créé du contenu. Quand tu crées du contenu, ça augmente ta valeur. Quand tu crées du contenu, tu deviens une meilleure personne parce que ça t'oblige à devenir une meilleure personne. Il y a des gens qui ont commencé à danser
ils sont devenus je ne sais pas, créer du contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous devez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Un, écrivez un livre ou un e-book. Deux, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez travailler. Donc, rapidement, lesquels qui s'engagent à faire ces deux choses? Écrire un e-book ou bien un livre et deux, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Lesquels qui veulent s'engager à faire ça? Parce que moi, je peux vous accompagner dans ça. Soit à écrire votre e-book, à retracer un peu votre vie ou bien à créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est très important. C'est vraiment important de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, écrivez également des livres. C'est très important. Maintenant, chose suivante. Regardez maintenant. Ce qui va, je vous dis des choses, ça c'est parce qu'en faisant ces choses-là, c'est la seule manière de façon réelle que vous êtes un expert ou bien que vous maîtrisez votre sujet ou bien que vous êtes une personne de valeur. C'est en rédigeant du contenu, en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en écrivant un livre, mais surtout, regardez, le suivant c'est quoi? Former, animer des séminaires, des colloques et des conférences. Très important. C'est sur ça. Même si tu ne vaux rien, les amis, vous devez commencer à former les gens. Commencer à former d'autres personnes. Même si c'est gratuitement. Commencer à former d'autres personnes. L'objectif ici, c'est aussi comme pour les livres que vous avez écrits. Le fait de former d'autres personnes, le fait d'écrire des livres et de créer du contenu, les avantages sont immenses, mais je suis en train de vous lister tout simplement les avantages en termes de développement personnel. En faisant ces choses-là, vous-même, votre valeur va augmenter. En faisant ces choses-là, vous allez devenir une meilleure personne. En écrivant un livre, vous êtes obligé de faire travailler votre esprit. Vous êtes obligé de faire travailler votre cerveau. En créant du contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes obligé de soigner votre apparence. Vous êtes obligé d'améliorer votre art oratoire. Vous êtes obligé d'améliorer votre diction. Vous êtes obligé d'apprendre le marketing digital. Parce que en faisant ces choses-là, ça vous oblige, vous, à devenir une meilleure personne. C'est ça l'objectif. Devenir une meilleure personne, il faut que ça soit dans des choses claires, que ça soit dans des choses tangibles. Il ne faut pas que ça soit non. J'ai lu Père riche, Père pauvre, j'ai lu Réfléchissez, devenez riche, j'ai lu La chèvre de ma mère. Non, ce n'est pas ça. Ça là, ce n'est pas ça qu'on parle ici. C'est la pratique. Comment faire les choses? Moi, tout ce que je vous dis là, regardez, ce n'est pas de la théorie. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas théorique. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Ce que je vous dis là, c'est ce que je fais. Et ce que je vous dis, je ne vous dis pas pour que vous répétez. Je vous dis ce que vous allez faire. Donc, ce que je vous dis, ce sont des conseils orientés à l'action. Ce que je vous dis, c'est l'action qui est attendue de vous. C'est que si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous dis ça de façon à ce que vous passez à l'action. Ce n'est pas, je vous dis juste pour que vous notez quelque part, pour bicher, pour venir me dire, pour avoir des bonnes notes. Vous voyez que ce n'est pas ça. Ce n'est pas de dire que vous allez être là pour avoir des bonnes notes. Non, ce n'est pas ça. Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est comment vous allez concrètement appliquer ça. Je vous dis une chose, les amis. Si aujourd'hui, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez démontrer que vous êtes un expert et que les gens ils doivent vous payer, vous devez. Vous voulez montrer que voilà, qu'est-ce que vous faites? Imaginez, vous êtes peu importe, je dis bien, peu importe ce que vous faites dans la vie. Vous êtes un couturier. Voilà, vous êtes un couturier, c'est ça votre travail, vous êtes couturier. Mais, ce que vous faites, c'est quoi?
Vous appelez deux ou trois jeunes, vous les amenez et vous les formez à coudre les habits. Pendant que vous êtes en train de former les jeunes, vous filmez. Regardez, le gars qui est là en train de faire des conférences, là, il y a combien de personnes devant lui? Un, deux, trois, quatre, cinq personnes. C'est-à-dire qu'il est en train de former seulement cinq personnes. Mais ça lui fait passer pour quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Ça lui fait passer pour quelqu'un qui est très intéressant. Parce qu'il est en train de former les gens. Le nombre de personnes que vous allez former n'est pas important. Même si c'est 4-5 personnes que vous allez former, ce n'est pas grave. L'essentiel est que pendant que vous êtes en train de les former, vous avez des photos, vous avez des preuves que vous êtes en train de former des jeunes Africains. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai presque, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont 16 qui gagnent au minimum 1 million de francs CFA par mois. Ils sont 16 dans mon équipe, des jeunes qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois. Maintenant, quel est mon discours? Mon discours maintenant, ce n'est pas qu'il y a, en Afrique, il y a 140 millions de personnes. Non, c'est 1,4 milliard. La population africaine, actuellement, c'est 1,4 milliard d'habitants. Mais j'ai formé combien? Ce n'est pas 100. J'ai formé une dizaine. Ils sont à peu près une dizaine que j'ai formé qui gagnent maintenant plus de 1 million de francs CFA par mois. Les preuves sont là. Ils ont leur chaîne YouTube. Ils ont écrit des livres. Tout ce que je vous dis de faire, ils font déjà. Ils ont des chaînes YouTube. Ils ont aujourd'hui, allez-y sur leur chaîne YouTube, vous allez voir. Ils ont animé des conférences, tout ça. La preuve, c'est quoi? C'est que ce que je fais, je forme d'autres personnes à faire ce que je fais. Le seul fait que je forme d'autres personnes, moi, ça élève mon niveau. Voilà pourquoi vous devez même commencer à former vos petits frères. Vous devez commencer à former les jeunes de votre quartier. Vous voyez les jeunes qui sont dans le quartier qui font rien là. Vous les appelez, vous les amenez quelque part et vous vous mettez devant eux. Même s'ils sont cinq, vous vous mettez devant eux et puis vous les expliquez c'est quoi le marketing digital. Vous faites une formation comment Facebook fonctionne, comment WhatsApp Business ça fonctionne, comment Instagram fonctionne, comment on peut faire de e-commerce, comment on fait import-export, comment on crée un compte Alibaba. Comment on cherche les fournisseurs qui sont sérieux? Comment, voilà, comment avoir le contact des fournisseurs? Comment, c'est-à-dire que ce sont des formations qui sont simples. Formation Alibaba, AliExpress. Mais c'est une formation d'une journée. Tu viens, je te fais asseoir, on crée un compte rapidement sur Alibaba. On cherche les produits gagnants. Comment lancer des commandes, se faire livrer en Afrique en 45 jours? Venir sur Facebook, créer un profil, créer le logo sur Canva, venir sur Facebook pendant une semaine, faire des publications de façon organique, juste pour blaguer un peu l'algorithme de Facebook. Après, allez-y acheter une carte Visa qui coûte 10 000, mettez 10 000 dedans et puis vous lancez. Ça, c'est une formation, je peux vous expliquer en une journée. Après, mais au moins, je ne suis pas en train de mentir, j'ai formé des gens. J'ai exactement formé des personnes, je les ai partagé des choses. Donc, ce que vous connaissez, que vous négligez, vous pensez que ce n'est pas beaucoup. Non, bon, Justin, moi, tout ce que je sais faire, je sais seulement créer des logos sur BrandCloud. Je sais seulement utiliser ChatGPT. Non! Tu sais utiliser ChatGPT et puis tu dis que seulement ChatGPT. Non! Mais ChatGPT, si tu sais utiliser ChatGPT, c'est beaucoup. Tu peux organiser une conférence. Tu peux organiser, les amis, tu peux organiser une conférence où tu vas venir parler de ChatGPT. Tu vas expliquer comment on crée les prompts, comment on trouve les idées, comment on traduit des documents, comment. Mais les amis, vous savez utiliser ChatGPT et vous n'avez jamais organisé un séminaire pour former d'autres personnes. Mais vous n'avez rien compris. Personne ne va croire que vous êtes un expert. Pourtant, vous êtes un expert. Vous savez au moins utiliser ChatGPT. Vous savez utiliser Gemini. Vous savez utiliser Midjourney. Vous savez utiliser Vizard. Vous savez utiliser une vidéo. Vous savez utiliser Hostinger. Toutes ces intelligences artificielles. Vous savez créer des sites avec durable.co, Leonardo. Tout ça, vous savez. Eleven Labs, vous savez créer des voix à partir des textes.
Donc, vous êtes fort en intelligence artificielle et vous n'organisez jamais des séminaires pour former d'autres personnes. Mais personne ne va croire que vous êtes bon. Donc, vous perdez des opportunités. C'est-à-dire que le seul fait que vous organisez, moi, plusieurs fois à des conférences et des derniers business que je suis dedans actuellement, c'est import-export de voitures. Mais c'était quelqu'un qui était venu à ma conférence. Mais pendant la conférence où je parlais des lois de la croissance, le gars, il m'a écouté. À la fin, il est venu prendre mon numéro. Il me dit que justement, actuellement, j'importe les voitures des États-Unis vers le Sénégal, mais je ne sais pas comment les vendre. Donc, je vois que toi, tu maîtrises ce genre de choses-là, comment faire grossir son chiffre d'affaires, tout ça, là, je sais que tu maîtrises. Donc, si on peut s'associer, comme ça, moi, j'amène les voitures, et puis toi, tu vas t'en charger pour vendre ça avec des techniques que tu connais. Regardez, comment une conférence où j'organise pour parler des lois de la croissance, j'organise des conférences pour parler de la vente, et voilà, les opportunités sont venues à moi. Organiser des séminaires et des conférences. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas les opportunités qui vous attendent. Quand vous commencez à organiser des colloques, vous commencez à organiser des séminaires, je ne pourrai jamais vous dire à l'avance les opportunités qui vous attendent. Parce qu'à chaque fois que je pars dans un pays pour organiser une conférence, c'est toujours des opportunités. Je dépense beaucoup d'argent, mon billet d'avion déjà, je prends business class, ça me coûte à peu près 1 million. Ensuite, je prends des chambres d'hôtel pour une semaine. Je viens pour des petits séminaires, je peux dépenser 4-5 millions pour me déplacer dans un pays pour organiser des séminaires. Et maintenant que quand je me déplace, même là, je me déplace avec une équipe. Mais ce n'est pas grave. Mais l'opportunité, les opportunités que je vais aller saisir pendant ces conférences-là sont inestimables. Je vous parlais d'un business tout à l'heure que j'ai lancé qui me rapporte aujourd'hui 6 millions par mois minimum. Le business, je l'ai lancé, ça fait même pas une année. Mais ce business-là, je l'ai découvert au Burkina Faso lorsque j'étais parti pour une conférence. J'étais allé pour animer une conférence et pendant cette conférence, il y a quelqu'un qui est venu pour participer à cette conférence qui m'a partagé l'opportunité. Donc, vous comprenez maintenant que si aujourd'hui, les opportunités ne viennent pas vers vous, je vous disais au départ, c'est en fonction de qui vous êtes. Maintenant, la phrase que je vais vous dire, c'est en fonction de qui vous voulez devenir. C'est en fonction de qui vous voulez devenir que les opportunités vont venir dans votre vie. C'est en fonction de qui vous voulez devenir que les bonnes choses vont vous arriver. C'est en fonction de qui vous voulez devenir, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Mais si vous n'avez pas ça, tout ce que je suis en train de vous dire, si vous ne comprenez ça, pas ça, vous allez tourner en rond. Donc, moi, je veux que vous qui êtes ici, même si aujourd'hui vous savez faire jus de Bissa, ou bien vous savez faire jus de Yamakou, Jemjem, si vous savez faire jus de Jemjem, les jus locaux, si vous savez faire ça, là, les amis, organiser des séminaires, former les jeunes filles, si vous savez faire transformation de fruits et légumes, organiser des formations pour former d'autres personnes à fabriquer les jus locaux. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai faites. Moi, je suis un architecte, hein. J'avais organisé des formations pour apprendre aux gens comment fabriquer savon. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas faites. J'ai organisé des formations pour que les gens fabriquent savon ici à Dakar. Les vidéos sont là. On a organisé des formations pour que les gens puissent fabriquer eau de javel, pour que les gens puissent fabriquer des choses comme ça. Élevage de poulet, ce genre de choses-là. Vous avez une compétence, mais comme vous n'extériorisez pas cette compétence, malheureusement, votre valeur, vous cachez la lumière en fait. Vous êtes une lumière, vous allumez votre lumière et vous cachez votre lumière. Voilà pourquoi, moi, quand j'anime des séminaires et des conférences, je sais que je vais attirer naturellement plus d'opportunités dans ma vie que quelqu'un qui ne fait pas ça. C'est logique en fait. Quand tu n'as pas écrit des livres, bon, je ne vais pas anticiper. Les amis, il reste deux choses qu'on va finir rapidement. Oui, qui est déjà passé à la télé?
ou à la radio? Qui est déjà passé à la télé ou à la radio? Les amis, comprenez qu'une chose. Vous devez passer dans les médias. Vous devez passer dans les médias. Je suis en train de voir que on a déjà dépassé notre temps de 15 minutes. Il ne nous reste pas beaucoup. Je vais raccourcir les choses, mais je vais vous dire les choses. Les amis, il faut savoir une chose. Votre valeur. Si vous voulez devenir une meilleure personne, toutes ces choses que j'ai dit, vous devez les faire. Toutes ces choses que j'ai dit, vous devez les faire. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Beaucoup même. Beaucoup, j'ai beaucoup de choses. Surtout ici, j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps nous est imparti. Mais ce que je peux vous dire, vous avez deux choses. Travaillez sur le côté extérieur et travaillez sur le fond. Travaillez sur les éléments extérieurs et travaillez sur les éléments de fond. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont restées ici, voici la conclusion. Y a un proverbe africain qui dit, c'est de la manière dont tu te vends, c'est comme ça. On t'achète. C'est de la manière dont tu te vends. C'est comme ça qu'on t'achète. La valeur que toi-même tu décides de te donner, c'est cette valeur-là que les gens vont t'attribuer. C'est la valeur que tu décides de te donner, sachant que pour avoir une certaine valeur, ça demande du travail. Tu dois beaucoup travailler sur toi. Tu dois beaucoup travailler sur tes capacités. Tu dois beaucoup travailler sur ton apparence. Tu dois travailler sur plein de choses pour que ta valeur soit élevée. Et c'est de cette valeur que tu as. C'est la valeur dont tu présentes. C'est comme ça les gens achètent. Alors, les amis, je veux savoir tout simplement, dites-moi dans les commentaires. Lesquels qui s'engagent aujourd'hui, au vu de ces 1 heure de temps qu'on vient de passer ensemble, à passer à un autre niveau de leur vie? Qui s'engage aujourd'hui à passer à un autre sommet de sa vie? Passer d'une personne lambda avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour passer ailleurs. Parce que vous devez comprendre une chose. Rien ne va changer dans votre vie si vous ne changez pas. Si vous ne changez pas, les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes dans votre vie. Ça devient urgent. C'est dangereux pour un être humain de rester la même personne année après année. Le monde ne va jamais te donner des choses que tu veux. On va toujours te donner, t'attribuer des valeurs, te donner, tu auras toujours la femme. Tu auras toujours le mari, tu auras les enfants, tu vas conduire la voiture que tu veux, que tu mérites. Tu dois toi-même prendre les choses en main. Prendre les devants pour que les choses changent. Par tout ce qu'on a dit, quelqu'un qui passe à l'action, toutes les personnes qui vont s'engager aujourd'hui, voici les choses que je commence à faire pour que d'ici un an, je passe à la télé. D'ici un an, j'ai un livre. D'ici un an, j'ai des pages. Réseaux sociaux où je crée du contenu. D'ici là, j'organise des colloques, j'organise des séminaires, je forme les jeunes de mon quartier. Ce sont ces choses-là qui augmentent votre valeur. Ce n'est pas en restant en comptant sur des personnes. Ce sont des choses que vous avez travaillé et que vous donnez. C'est ça qui augmente votre valeur. Vous croisez les bras et vous restez. Rien, 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 rien ne changera. Rien ne va changer. Il faut vous engager. Le verbe s'engager.
je m'engage est conjugué au premier, c'est conjugué à la première personne au présent. C'est conjugué au présent, à la première personne du singulier. Je, première personne du singulier, m'engage. C'est-à-dire que ce soir, tu te dis que ma première chose que je fais, je dois d'abord trouver le titre de mon livre, trouver un titre à moi-même, qui je vais devenir, faire un plan d'action concret des choses que je m'engage à faire aujourd'hui pour que ma valeur, pour que les gens, ils me voient d'ici 6 mois en une nouvelle personne. C'est ce que je veux pour vous. Tu restes la même personne, tu vas avoir les mêmes choses. Tu restes la même personne, tu vas rencontrer les mêmes difficultés. Ta vie n'avance pas, tu vas commencer à dire que non, les gens ne t'aiment pas, c'est toi le problème. C'est parce que tu n'es pas engagé à changer. Et moi, je vous dis, moi aussi, je m'engage, je vous dis, moi, Justin, je m'engage à accompagner toute personne qui veut changer sa vie. Toute personne qui veut passer à un autre palier de sa vie, moi, Justin, je m'engage à l'accompagner. Voilà pourquoi j'ai mis sur pied un programme de formation pour accompagner les personnes qui veulent changer leur vie. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent, parce que ça ne sert à rien, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent que je m'engage à leur côté pour les aider, pour que dans les semaines, les mois à venir, ils puissent passer à un autre niveau? Ceux qui veulent que je m'engage à leur côté, écrivez tout simplement votre nom en commentaire. Et je vais également m'engager auprès de vous pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que dans les mois à venir, pour que votre version de vous d'hier et la version de vous de l'année prochaine change. Je suis très sérieux à vous dire ça. Je suis vraiment très sérieux à vous dire que je m'engage concrètement et résolument pour que les personnes qui veulent que je les accompagne, moi, je m'engage également à les accompagner. Voici le programme d'accompagnement que j'ai mis en place pour accompagner des personnes qui veulent que je les accompagne pendant 3 mois. Pendant 3 mois, nous aurons déjà une première partie. J'ai prévu pour vous, j'ai animé plusieurs conférences et j'ai enregistré 3 de ces conférences que je vais vous donner. Ensuite, on fera un webinaire spécial le 12 août. Le 12 août, c'est le lancement de ce programme et on fera un séminaire spécial pour le démarrage du programme le 12 août. Donc le 12 août, on va faire un séminaire spécial pour vous accompagner. Ensuite, je vais vous partager plusieurs autres modules qui vont suivre les stratégies pratiques. Vous-même, vous pouvez voir le programme. Les stratégies pratiques pour devenir un entrepreneur à succès. Les étapes obligatoires à franchir. Ensuite, je vais vous donner les stratégies militaires. Comment les militaires appliquent des stratégies? Comment vous pouvez appliquer la stratégie militaire dans le business? Parce que la stratégie militaire va vous amener à travailler ce qu'on appelle la discipline. Donc, comment appliquer la stratégie militaire en business? Ensuite, on va voir également, surtout ça, une feuille de route. Chacun, je vous accompagne à établir une feuille de route. Et ça, c'est la partie 1, c'est seulement première partie. On a au total 8 parties du programme. C'est-à-dire qu'en 3 mois d'accompagnement, on a 8 parties. Et dans chaque partie, on va passer 2 à 3 semaines dessus où on va travailler partie par partie. Donc, vous voyez, ça, c'est la première partie. C'est mindset, développement personnel seulement. Ensuite, on va passer 2e partie, création de contenu. Comment l'art du storytelling, comment raconter des histoires,
Deux, comment maîtriser le copywriting? Si vous vendez des produits, par exemple, comment vous allez vendre des produits si vous publiez? Voilà, le copywriting, c'est vendre à l'écrit. Ensuite, on verra également une autre, l'art oratoire. Ceux qui veulent faire de l'art oratoire, regardez comment tu peux parler pendant 1 heure de temps et puis les gens restent toujours scotchés. Comment animer des séminaires? Comment animer des conférences? Ça, c'est de l'art oratoire. On a également enregistré une formation. Ça, c'est une formation déjà enregistrée. Dès cette partie-là, tout est déjà enregistré. Et dès le 12 août, je commence à vous envoyer ça. Vous suivez et deux à trois fois par semaine, on se retrouve comme ici pour échanger autour de ça. On a également, surtout quand vous maîtrisez le storytelling, le copywriting et puis l'art oratoire, vous écrivez également un e-book parce que c'est obligatoire. Chacun doit écrire un e-book, c'est obligatoire. Le e-book, chacun, c'est obligatoire que chacun écrive un e-book. Et c'est seulement avec ces quatre choses qu'on va maintenant venir sur Internet pour commencer YouTube, commencer TikTok, Instagram, Facebook et tout ça. Donc, avant même de créer du contenu sur les réseaux sociaux, on va faire une formation en storytelling, l'art de raconter des histoires, le copywriting et surtout l'art oratoire de façon générale et la rédaction de votre e-book. Une fois qu'on a fait les quatre modules, en ce moment maintenant, on va passer au module 5. Allez sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, créer du contenu. Ça, c'est le deuxième module. Ce n'est pas tout. Ah, ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, il y a la partie 3. Là, on passe maintenant au marketing digital. Le marketing digital est totalement différent de YouTube, de Facebook. Ça, ce n'est pas du marketing digital. Ça, c'est du contenu. Le marketing digital, comme vous le savez, c'est comment bâtir une stratégie pour attirer l'attention des gens. Donc, j'ai là également, c'est des choses concrètes. Comment, si vous voulez venir sur Facebook, comment établir une stratégie digitale? Une stratégie digitale, c'est l'ensemble des moyens, des outils qu'on met en œuvre pour attirer une audience, la fidéliser, sinon également lui vendre un produit ou un service. Mais je vous montrerai avec mes équipes, bien sûr, parce que j'ai aujourd'hui des équipes qui gagnent plusieurs millions de francs CFA. Ce que je vous partage là, c'est uniquement de l'expérience. C'est-à-dire que ce qu'on vous partage dans ce programme-là, c'est 100% de l'expérience. Il n'y a pas quelque chose de théorique. Tout ce que je vais vous partager, ça va être de l'expérience. Ce qui m'a permis moi-même à gagner beaucoup d'argent aujourd'hui sur Internet et ce qui a permis également aujourd'hui à mes étudiants, allez-y voir mes étudiants, ils ont des chaînes YouTube, ils ont des pages Facebook, ils animent des séminaires. Ce sont des choses pratiques que je vais partager avec vous. Ensuite, on va également prendre le marketing digital maintenant et faire ce qu'on appelle le e-commerce avec. C'est là où vous allez le trouver maintenant. Comment on va également travailler un peu sur les intelligences artificielles. Ça, c'est très, très important. La partie 7, ça va être uniquement les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, ça va être typiquement cinq métiers. Les intelligences artificielles, c'est cinq métiers. Un, le design graphique. Vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour maîtriser le design graphique. Montage vidéo. Création de sites Internet, création de tunnels de vente et surtout la création et la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, vous pouvez apprendre automatiquement cinq compétences. Rien qu'avec les intelligences. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, il y a cinq compétences directement liées aux intelligences artificielles. Un, design graphique. Deux, motion design. Donc, vous pouvez créer des vidéos. C'est-à-dire que tout ce qui est vidéo, ensuite tunnel de vente, ensuite création de sites Internet. Aujourd'hui, vous pouvez créer des sites Internet. Je vais vous montrer au moins quatre intelligences artificielles qui vont vous permettre de créer des sites Internet en quelques minutes. Et d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo que je vais publier peut-être demain ou après-demain sur YouTube. Vous allez voir comment vous pouvez créer des sites Internet. Vous pouvez créer 50 sites Internet en un jour grâce aux intelligences artificielles. La vidéo même, là, je vais la poster sur YouTube gratuitement. Je vais pour vous montrer la démonstration que ce que je vous dis, c'est quelque chose que je le fais. Ensuite, on aura également, donc il y a cinq compétences directes avec les intelligences artificielles. Cinq compétences, ces cinq compétences-là, cette partie, vous allez apprendre automatiquement cinq compétences. Dans la partie intelligence artificielle, c'est cinq compétences. Création de site Internet, aujourd'hui, créer site Internet, ça peut être la chose la plus facile.
Créer un site Internet, ça doit être la chose la plus facile pour vous. Tout ça, c'est dans ce programme-là. Ensuite, la partie 6, c'est là maintenant, on va faire un peu du Alibaba, AliExpress, comment importer des produits. En tout cas, il y a deux types. Soit on importe des produits ou bien on vend des produits locaux. Mais tout ça également, ce sont des stratégies. Hein. C'est ici qu'on verra maintenant comment utiliser, par exemple, les outils comme Canva, utiliser, par exemple, tout ce qui va être campagne publicitaire de Facebook, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, vous pouvez faire aussi des campagnes publicitaires avec ça. Donc, vous créez du contenu à partir des intelligences artificielles et vous venez sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent avec. Vous voyez? C'est-à-dire que les outils, les méthodes, les stratégies, je vais vous la partager. Ce sont les formations qu'on vous envoie. Mais l'objectif de l'accompagnement, c'est d'être derrière et de vous rappeler. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que tu as fait ça? L'objectif d'avoir un accompagnement, c'est ça. Ce n'est pas juste de la formation. Parce que la formation, je peux vous... Tout ce que je dis là, c'est enregistré. Je peux vous balancer ça. Mais après, il y a certains qui vont prendre, qui ne vont même pas suivre. Mais l'objectif, vous devez garder la discipline, garder la motivation. Mais pour ça, il faut quelqu'un derrière qui va vous demander des comptes. Je vous envoie un module. Je dis, suivez ça. Ça vous prend 2 jours. Tout le monde doit suivre ces formations sur intelligence artificielle. Vous finirez de suivre ça, c'est 2 jours. C'est à peu près 5 heures de formation. Vous prenez 2 jours, vous suivez, vous appliquez. Et après, on se revoit pour que chacun y montre ce qu'il a fait. Et c'est là où ça vous oblige à passer à l'action. Mais si j'enregistre et je vous balance ça, et moi aussi, je passe à autre chose, j'ai arrêté de faire ça depuis 1 an. Parce que j'ai compris que ça ne marche pas. Enregistrer des formations, balancer aux gens, prendre l'argent et partir, moi, j'ai compris que ça n'arrange pas trop les personnes. Voilà pourquoi j'ai décidé des accompagnements, d'être derrière vous. Ensuite, il y a une autre partie qui est très, très importante, comment vendre. Et là, je vais faire venir 3 experts en vente. Moi-même, je serai là, comment vendre. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner toutes ces compétences-là. Tout ça, je vous donne. Mais comment convertir vos compétences, comment convertir les produits que vous avez commandés, ainsi de suite. Tout ce que vous avez, vous connaissez comment maintenant le convertir en argent. Et ça, cette partie, c'est la vente. La vente, la vente, la vente et la vente. On va voir l'art de la vente. On va voir la psychologie des grands vendeurs comme Joe Girard. Joe Girard, c'est l'un des plus grands vendeurs automobiles au monde. Pendant 5 ans, il a vendu 13 000 voitures. 13 000 voitures en 5 ans, c'est l'équivalent de 5 voitures par jour. Ils font 5 voitures par jour. Quand moi, je me suis lancé dans le business de voitures, je me suis rendu compte et je me suis renseigné que c'est lui le plus grand vendeur automobile. Et quelles sont les stratégies qu'il utilise pour vendre? Il y a un autre grand vendeur, d'ailleurs, j'ai son livre quelque part ici. Il s'appelle Jordan Belfort. Jordan Belfort également, c'est un des plus grands vendeurs. Donc, la psychologie des grands vendeurs, comment les grands vendeurs font les choses. Je vais vous partager également avec mes équipes, parce qu'aujourd'hui, mes équipes, j'ai beaucoup de grands vendeurs dans mon équipe. Comment avoir un produit? C'est peut-être le problème. Mais comment vendre n'est plus un problème pour nous aujourd'hui. Parce que quand tu maîtrises Internet et tu maîtrises la vente, tu peux tout faire, vivre dans le pays que tu veux, avoir la somme d'argent que tu veux. Ensuite, les deux dernières parties, les amis, c'est l'investissement. Les deux dernières parties de ce programme, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'après avoir gagné de l'argent, avec tout ce que vous allez apprendre avec nous, comment vous allez investir maintenant votre argent? Et il y a 2 manières d'investir son argent que moi, je recommande aujourd'hui. Premier investissement, c'est dans l'immobilier. Parce que moi-même, c'est là-bas que j'ai beaucoup investi. Deuxième, c'est dans les crypto-monnaies. Là également, j'ai investi beaucoup d'argent. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez investir dans l'immobilier. L'immobilier, je vous rappelle tout simplement que pour investir dans l'immobilier, il y a à peu près 3 choses à faire. Première chose, c'est acheter des terrains. D'ailleurs, dans le programme de formation, je vais tout détailler ça. 1, acheter des terrains, les stratégies qu'il faut pour acheter des terrains. 2, comment acheter soit des appartements ou bien voilà, le bâtiment. Donc, il y a la partie foncière, donc il y a la partie foncière, donc il y a le foncier et puis il y a le bâti. Ensuite, il y a la gestion, donc la conciergerie. Ça également, c'est très, très important. Donc, c'est là-bas que moi, j'ai investi le plus d'argent dans l'immobilier. Je vais vous montrer également l'immobilier, vous pouvez commencer à investir même avec 500 000 francs CFA, avec 1 million. Aujourd'hui, il y a des terrains en fonction des zones. Vous pouvez commencer à investir avec rien que dans le foncier. Hein, rien que dans le foncier, c'est-à-dire que comment vous pouvez rien qu'acheter du terrain. Des terrains, rien que des terrains.
C'est déjà des investissements. Moi, j'ai des terrains que j'avais achetés à 1 million. On m'appelle aujourd'hui pour me dire que non, on veut te donner 5 millions pour récupérer. Voilà. Et ça, c'est en l'espace d'une année. Hein. Il y a des terrains. J'avais acheté certains terrains à 1 million, 1 million, 250 000, des choses comme ça. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui m'ont vendu le terrain, vu qu'on a fait déjà la mutation, c'est déjà en mon nom, ils ne peuvent plus le revendre. Donc, aujourd'hui, ils se rendent compte que l'endroit, là, ça commence à prendre de la valeur. Ils veulent revendre, ils me recontactent. Ah, Justin, il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu qui veut même donner plus, peut-être 1, 8 millions comme ça. Mais eux, ils me contactent pour me dire que non, est-ce que tu peux nous redonner ton terrain là? Et puis, on va te donner 5 millions. Vous voyez? Pourtant, c'est avec 1 million que tu investis. L'immobilier, c'est également quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il y a des stratégies pour investir. Je vais également vous partager ça dans ce programme. Mais surtout, les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, là également, j'ai préparé beaucoup de formations gratuites, des formations d'éducation que, à partir de demain, je vais commencer à publier. Comment maîtriser les plateformes, comment créer des comptes, comment acheter, comment holder, des choses comme ça. Tout ça, je mettrai également à votre disposition gratuitement sur YouTube à partir de demain, après-demain. Je vais vous créer, j'ai beaucoup de contenu, c'est mon monteur vidéo, il est en train de faire le montage et à partir de demain, les vidéos seront en ligne. Vous-même, vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup de contenu en crypto-monnaie parce que crypto-monnaie, beaucoup de gens, ils perdent de l'argent. Crypto-monnaie, ce n'est pas un business. Crypto-monnaie, c'est un investissement. Je vous dis, crypto-monnaie, ce n'est pas un business. C'est un investissement. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent à Dubaï quand j'étais parti pour me former. J'ai beaucoup perdu d'argent d'abord ici. J'ai beaucoup perdu d'argent d'abord au Sénégal. Ensuite, en Côte d'Ivoire. Après, je suis allé même à Dubaï pour me former deux fois. Mais je me suis rendu compte et je suis aujourd'hui honnête avec vous parce que je sais que crypto-monnaie, c'est un investissement. Ce n'est pas un business. Parce que quand tu mets déjà ton argent, imaginez les personnes qui avaient mis de l'argent. Lorsque le Bitcoin était à 32 000 dollars, ils avaient mis de l'argent. Le Bitcoin a chuté à 25 000 dollars. Tu ne peux plus récupérer ton argent parce que tu es obligé d'être patient. Tu attends. Et puis, tu ne sais pas jusqu'à quand. Avant que le Bitcoin remonte à 30 000 et puis maintenant, il est à là où il est, en fait. Donc, quand vous voulez investir l'argent, sachez que l'argent investi, c'est l'argent que vous êtes allé le faire reposer. Ce n'est pas l'argent qui tourne. Quand vous êtes allé investir. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai investi dans l'immobilier, mais dans la crypto-monnaie, c'est de l'argent que je suis allé faire dormir l'argent. L'argent, là, se repose pour se multiplier petit à petit. Mais si vous voulez faire quelque chose où vous allez vendre chaque jour, c'est ça le business. Le business, c'est vendre. Vous apprenez une compétence que vous allez vendre ça chaque jour. Vous apprenez ou bien vous trouvez des produits que vous allez vendre chaque jour. C'est ça le business, c'est ça. Acheter ici et revendre là. Mais quand vous faites ça avec la crypto-monnaie et l'immobilier, c'est la patience. C'est du long terme. Donc, je vais vous montrer également comment vous allez réinvestir tout votre argent. Donc, les amis, vous qui êtes connectés ici, voici les deux offres de ce programme. J'ai deux offres. Pour les personnes qui veulent juste prendre la formation et puis aller se débrouiller, c'est 49 000. Vraiment, au vu de tout ce que je vous ai donné et de tout ce qu'on va vous donner, c'est rien. Avec un 49 000, vraiment, vous avez le contenu. Chaque semaine, on vous enverra deux ou trois parties. Et puis, je vais vous mettre avec quelques membres de mes équipes qui vont assurer un suivi. Ils vont de temps en temps assurer un suivi. Et quand vous voyez tous les modules, c'est plus de 70 modules. Du développement personnel en passant par la création de contenu jusqu'au marketing, à la vente, à l'intelligence artificielle, à l'immobilier, jusqu'aux intelligences artificielles. Tout ça en 3 mois. Pendant 3 mois, on vous accompagne. On vous envoie presque chaque semaine des programmes que vous devez suivre. Parce que ce n'est pas une formation qu'on a totalement enregistrée. Non, parce qu'il y a un suivi. Ça, le suivi, c'est vraiment un suivi minimal. C'est vraiment un suivi minimal que je donne. Mais pour ceux qui veulent avoir un suivi avec moi-même, ceux qui veulent être avec moi-même, un accompagnement spécial, là déjà, je vais vous donner, en plus de tout ce que j'ai dit là-bas, il y a des offres bonus, 8 bonus exclusifs. Le premier bonus, moi-même, je vais vous résumer 5 livres.
Et je vais vous montrer comment appliquer ces cinq livres-là. Et ces cinq livres-là, il y a des livres qui n'existent pas même à la vente. Ce sont des livres qui sont code secret. Il y a des livres que vous n'allez jamais retrouver sur Internet. Vous n'allez jamais retrouver ça à la bibliothèque. Mais je vais vous partager ça. Ça, c'est des informations noires. Certaines choses, on ne donne pas comme ça. Mais dans ce programme, je vais vous donner certaines choses que vous n'allez retrouver nulle part. Vous allez retrouver également mes conférences. Je vais vous donner également quelques livres d'ordre général que vous allez télécharger. Ensuite, un accompagnement pendant 3 mois. Pendant 3 mois, c'est moi-même qui vous accompagne pendant 3 mois. Vous avez également la possibilité d'intégrer mon réseau de millionnaires. Les gens de mon équipe qui gagnent beaucoup d'argent, vous allez avoir leur contact. Vous allez être en contact avec tout mon réseau de millionnaires. Et surtout, je vais vous montrer les coulisses de mon business. C'est-à-dire, je vais vous montrer dans tel business comment je fais pour gagner 5 millions ici, comment je fais pour gagner 10 millions par mois ici. Vous allez voir concrètement, parce que certaines personnes, ils pensent qu'on parle pour parler. Ceux qui sont dans mes équipes, gagner 1 million, gagner 2 millions par mois, eux, ils savent déjà. Je ne sais pas s'il y a des gens de mon équipe qui sont connectés, ils peuvent témoigner. Gagner 1 million par mois, avec moi, ça, ça fait pas peur à quelqu'un. Même à mes étudiants, ça ne les fait pas peur. Tu gagnes 1 million par mois, ça fait peur à personne. Ça fait peur à personne. Donc, vous allez avoir accès aux coulisses du business, mais surtout, ce que moi, personnellement, je vous offre, c'est un entretien mentorat. C'est-à-dire que une fois par mois, vous aurez un appel direct avec moi pour me présenter. Il y a déjà des personnes qui ont pris le pack VIP. Et toutes les personnes qui ont pris le pack VIP, ils m'ont déjà envoyé leurs objectifs. Tous ceux qui ont pris le pack VIP m'envoient leurs objectifs. Et c'est en fonction des objectifs qu'on va travailler. Et ça, c'est du mentorat. C'est avec Justin. Tes objectifs, tu envoies à Justin et il te dresse un plan, comment on fait pour que tu atteignes ces objectifs. Ça, c'est avec moi-même que ça va se faire. Donc, pour des personnes qui sont connectées actuellement, j'aime récompenser des personnes qui sont connectées actuellement. Donc, pour des personnes qui sont connectées actuellement, j'ai un cadeau spécial à 10 personnes qui vont prendre le pack VIP. Je veux juste aujourd'hui, en plus de tout ce que j'ai cité là, j'ai un cadeau spécial qui ne figure même pas dans la formation. Donc, le pack VIP, c'est 149 000. Donc, je veux 10 personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre le pack VIP? Il y a une personne, Landry Ouedraogo. OK. Toutes les personnes qui veulent prendre le pack VIP, écrivez-moi tout simplement en inbox. On est tous dans le même groupe. Je vous enverrai un numéro. Écrivez-moi en inbox. Ce soir, vous confirmez que au plus tard demain, vous prenez le pack VIP. En plus du pack VIP même, j'ai un cadeau spécial pour vous. Un cadeau spécial qui vient de moi-même, Justin. Donc, regardez tout simplement dans la description ou bien dans les commentaires. Vous allez retrouver là-bas mon numéro pour passer à l'action. Et si vous le faites dans les 24 heures qui suivent, vous avez un cadeau spécial avec moi. Et vous allez voir que ça ne figure pas dans ce que vous voyez là. Les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. On a dépassé, on est à déjà 1h45 minutes. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés. Pour toutes les personnes qui vont vouloir mon accompagnement, qui veulent passer également à un autre palier, on se retrouve de l'autre côté et j'essaierai. Et là, je vous dis, je m'engage, je vais passer en caméra. Les amis, donc, je m'engage pour toutes les personnes qui vont s'engager. Moi aussi, je m'engage à vous accompagner concrètement pour que dans 3 mois, dans les 3 mois qui vont suivre, vous allez venir ici témoigner comme plusieurs de mes étudiants qui disent qu'on a fait confiance en Justin et on n'a jamais regretté. Je suis engagé à accompagner toutes les personnes qui veulent passer à l'action dans les 24 heures. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Dites-moi en commentaire. J'ouvre le micro. Celui qui va ouvrir son micro, dites-moi ce que vous pensez de cette conférence. Comment vous avez trouvé cette conférence? Dites-moi en commentaire très rapidement ou bien ouvrez vos micros.
Ça a été super. Ah, on a passé bon, la lève a été bien, hein, ça a été bien vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Wow. Moi, particulièrement, je trouve que c'est une formation, que c'est une formation très difficile. Pour moi, vraiment, c'est très difficile. Je n'ai pas de flexibilité de paiement pour le peuple. Jamais participé. C'est la meilleure conférence. Merci, grand maître. Comme ce que je le disais, je suis le premier à prendre part, engagé jusqu'à l'ADN. Merci encore. Vraiment, merci beaucoup, les drames. Vous êtes un père. Et le bon Dieu continue d'agrandir et que vous puissiez à tout moment. Merci bien. Nous aussi, nous promettons d'être avec toi. On est tenté de promettre d'être avec toi et de mettre toujours notre espérance à votre travail, en fait. Alors, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. Tout à l'heure, dans quelques minutes, dans 15 minutes, j'ai mon équipe de millionnaires qui m'attend de l'autre côté. Donc, je vais descendre de l'autre côté. C'est qui est sûr, ce fut un plaisir. Et on se dit comme ça, au revoir et à très, très bientôt de l'autre côté pour la suite de l'aventure. Ciao!